100 ans. La guerre devait durer 100 ans.
Place au jeu de la cocarde. Nous jurons sur les saints évangiles de Dieu et sur la croix que pour la bonne et juste cause, nous sommes venus en ce camp pour combattre loyalement. En outre, nous n'avons sur nous, ni dans nos armes, paroles, charges ou incantations qui pourraient servir à contrer l'ennemi. Nous croyons en Dieu,
notre droit, en la force de notre corps et en celle de nos âmes. Les prétendants au titre de vainqueur. Les voici,
au pas de leurs fiers destriers, arborant bien haut leurs couleurs. D'or et de gueule de 6 pièces. Son aume à 3 plumes d'autruche, sable, gueule et or. Sa devise est « S'il plaît à Dieu, tu n'as qu'à merci ». Châteaubriand, seigneur des Hugotières et du pont Saint-Martin, à la côte d'armes de Gueule, au destrier facé de 4 léopards d'or, au bouclier et au cimier armé d'un seul léopard d'or sur fond de Gueule. Sentir le poids du corps de son ennemi, et que 20 fois désarçonné, il se soit 20 fois relevé, 20 fois plus acharné au combat. C'est ainsi
qu'il pourra affronter les guerres sérieusement, avec l'espoir d'être victorieux. Et maintenant, que les hommes et leurs chevaux s'affrontent. Que commence la joute par la quintaine, ou dite joute du Sarrasin. Puis, ce sera le tour de la tête de Turc. Puis, la bague. Pour finir par la javeline.